matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 21 mars 2024. Nous sommes le premier jour du printemps. Petite philosophie de ce matin, pour ce matin, eh bien le printemps il est là, à partir d'aujourd'hui. Eh bien le printemps est la saison du recommencement, n'est-ce pas ? C'est la nature qui renaît, les plantes se réveillent, les fleurs s'épanouissent lentement, les jours rallongent, tout semble muet, se renouveler, se vivifier. Eh bien, profitez de cette période pour faire peau neuve et pourquoi pas se remettre en cause, prendre de bonnes résolutions pour replacer sa vie en harmonie avec sa nature. Et pourquoi pas faire le grand nettoyage du printemps. Aujourd'hui, j'ai pigé l'ange du bonheur, mais quelle belle synchronicité avec ce premier jour de printemps. L'ange du bonheur, c'est la paix, une paix intérieure, c'est une ouverture, clé du bonheur. Ton bonheur, tu le trouveras en toi. Rien ne sert de le chercher ailleurs. Il est un état intérieur, un état qui te fait ressentir, eh bien, la joie pure, la liberté d'âme et l'éternité. Il est le fruit d'une relation intime avec l'être sublime que tu es. Le bonheur est un sentiment de paix intérieure, n'est-ce pas, qui s'accompagne de l'amour, oui, de l'amour et de la beauté en toute chose. Le bonheur profond reste intact malgré les difficultés et les fardeaux de la vie. La clé de ton bonheur n'ouvre pas la serrure de ton passé, ni celle de ton futur, mais elle ouvre la porte du moment présent. Elle t'invite à pénétrer dans chaque ici et maintenant de ta vie. Le bonheur, tu ne le trouves pas dans ton passé, tu ne le trouves pas dans ton futur. Ce qui est passé est passé. Tu as eu des expériences malheureuses et l'avenir, ben, tu ne le connais pas. Toi seul peux être heureux. Toi seul peux avoir ce bonheur si tu t'en donnes le droit. Si tu te donnes la paix intérieure, relativiser les choses, ce qui est important. Qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie ? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est aujourd'hui essentiel, ici et maintenant ? Est-ce que c'est ta famille, ton amoureuse ou ton amoureux ? Est-ce que c'est personnel ? Est-ce que c'est professionnel ? Est-ce que c'est tes enfants ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Tout ce qui est superflu, tu le jettes. Ça n'a pas lieu d'être. Puisses-tu avoir la sagesse de protéger et chérir à tout jamais ta propre clé, celle qui ouvre la porte de ton bonheur. Puisses-tu savourer à chaque instant encore et encore et encore le paradis illimité et durable qui existe en toi. Le bonheur, c'est toi qui le fais, ce ne sont pas les autres. C'est toi comment tu vas te comporter, comment tu vas réagir, comment tu vas penser. Est-ce que tu as
un amour inconditionnel pour tout ce qui est autour de toi? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la médisance? Est-ce qu'il y a de la colère? Tout ça, ce sont des questions que tu dois te poser. Et malheureusement, s'il y a cette colère, cette jalousie, etc., alors il faut vraiment faire un travail sur toi pour que tu puisses avoir ce bonheur que tu mérites, parce que tout le monde mérite le bonheur. Mais ce ne sont pas les autres, en premier lieu, qui vont te rendre le bonheur, c'est toi. Si maintenant tu es bien en paix à l'intérieur, à ce moment-là, tu peux avoir le bonheur et tu peux procurer du bonheur aux autres. Quel beau message pour ce 21 mars. Je termine avec affirmation positive. Je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Eh bien voilà, je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Affirmation positive, je terminerai par « Je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même ». Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite un bon printemps, une belle journée de printemps à toutes et tous, dans l'amour inconditionnel, dans le bonheur, la joie, l'empathie, la bienveillance. Et on se retrouve demain pour un nouveau message. Portez-vous bien, je vous dis à demain, je vous embrasse.